Demain, nous recommençons à bloquer ces établissements. Fait que demain, pas ni l'école. Et donc, nous avons appelé les camarades non seulement à arrêter chaque fois qu'ils payent à sous ces points de blocage-là, soit devant ces établissements, soit devant le rectorat-là. Et demain matin, depuis 6 heures, il faut nous devant le rectorat-là pour nous continuer à mettre pression, pour faire de telle façon que justement, qui recteur, qui directeur l'ARS-là, qui préfère, qui s'est élu, qui direction du travail, il y aura sous un long tour en table pour nous discuter. Donc, la FSU qui a appelé l'ensemble de ses collègues-là à continuer à mobiliser Koyo et à venir donc devant piquet de grève-là, devant rectorat, pour faire de telle façon que nous fait plier rectorat-là. Je vais rappeler les autres juste anti-bagaille. Jeudi jour, les conditions de travail dans ces établissements sont toujours déplorables. Nous toujours ni rate dans ces écoles-là, nous pas ni de l'eau, nous pas ni les conditions pour justement exercer dans de bonnes conditions. Donc nous ne pouvons pas arrêter jeudi jour, à souti journée mobilisation là. Il faut non seulement nous continuer à mobiliser comme nous, mais il faut nous amplifier mobilisation demain et puis les jours à venir pour que justement vous puissiez comprendre que nous ne pas faire en journée juste pour faire nous plaisir. Nous mobiliser comme nous pour arriver à trapper non seulement les conditions, des protocoles d'hygiène pour tous ces établissements, des conditions pour que justement nous puissions rattraper poste non seulement dans le second degré, mais également l'utilisation de tous les moyens dans le premier degré. Et donc, ensemble, nous qualités, ensemble, nous gagnons. Mais il faut nous continuer, il faut nous amplifier mobilisation. Donc, demain, nous allons amplifier, participer sans nous à des mouvements et nous allons faire de telle façon que tous ces établissements sont bloqués et que nous pouvons rectorat dès 6 heures matin. Merci en plus.